2 européen et le champion de France 1990 des poids légers, Angèle Monnat, face à Georges Ellamé. Angèle Monnat que vous découvrez ici. Georges Ellamé. 26 ans, Angèle Monnat. 1m70, pesé à 72 kg. Son palmarès, 22 victoires, une défaite. Et dans les 22 victoires sont inclus les 9 matchs indépendants qui ont tous été victorieux. Vous savez, le statut indépendant, c'est la barrière, c'est le passage entre les amateurs et les professionnels. Son adversaire est un boxeur un petit peu méconnu, mais qui a des qualités, qui a 34 ans, qui vient d'Avignon, qui s'appelle Georges Ellamé. 1m71, 61 kg, 500. Il est passé professionnel il y a seulement 3 ans, 8 victoires, 6 défaites, 1 nul. Mais vous allez le voir, je peux vous le certifier, c'est un boxeur qui a une belle allure, qui est un très bon technicien. Et son palmarès ne reflète pas exactement la valeur de ce boxeur. L'arbitre, monsieur Louis Michel, qui fait son retour sur un ring, monsieur Louis Michel. L'un des arbitres français internationaux qui, pendant une dizaine d'années, arbitré maintes et maintes championnat de France ou championnat d'Europe. Match prévu en 8 reprises. Monnat, ouais. Monnat, depuis sa défaite face à Jean-Baptiste Mendy en mai l'an dernier, devant son public, a gagné ses 4 matchs. Et le dernier en date à Gennevilliers, à Luxembourg, pardonnez-moi, le 31 janvier, il avait battu au point l'anglais Tony Foster. Boxeur encore perfectible et jeune dans cette boxe professionnelle, Angèle Monnat, mais qui est un véritable frappeur. Son adversaire est un boxeur gaucher. Il boxe donc le point droit en avant. Il reste sur une défaite concédée à Paris en octobre face à Khalid Raïlou. Défaite au point. Chut. Leur opposition de style, cela devrait nous valoir un match assez intéressant. D'un côté, un frappeur, les jambes écartées, faisant mal sur toutes les attaques. C'est Angèle Monnat. De l'autre, un technicien habile, un bon coup d'œil, belle allure, qui s'appelle Georges Ellamé. Début prudent de la part des deux boxeurs, on s'observe un petit peu. On a une morphologie un petit peu identique, 1m71 pour Ellamé, 1m70 pour Monnat, 62 kg pour Monnat et 61,5 kg pour son adversaire. Il est sûr qu'une victoire d'Ellamé sur Monnat le ferait connaître sur le plan national et bien entendu peut-être lui permettre de rentrer dans les classements. Voilà qui n'a pas encore placé sa droite, qui travaille avec son direct du gauche, mais qui travaille peu. Voilà, un petit crochet droit sur les flancs, car la garde d'Ellamé est haute. Georges Ellamé qui a réussi une belle performance en août dernier à Antibes en battant au point l'ancien champion de France et l'ancien challenger au titre européen Alain Simoès. Hop ! Allez, c'est fini. Fin de ce premier round. Attention. Égal. Et dans le coin, on se tait. Hein. Ça fait deux fois, je le dis. Ah, monsieur Louis Michel n'aime pas que l'on déroge à ses règles. Mets-le là.
T'as vu, quand tu n'as pas le choix de s'organiser, il y a un challenge d'une devant, et tu t'en mal. Si tu laisses s'organiser, il va te faire des séries, il va te surprendre. Hein, tu recules tout le train, tu t'imposes jamais, tu costes comme un bœuf. C'est bon, c'est un rondeau d'observation. Tu costes comme un bœuf, jamais. Deuxième round. Je me souviens que madame avait expliqué qu'il n'aimait pas du tout boxer les gauchers, qu'il avait une certaine appréhension à les boxer. C'était la veille du championnat de France devant Mendy. On se souvient que madame avait été battue dès le premier round par Jean-Baptiste Mendy. Cela perturbe un petit peu Mola, le fait qu'Elamé soit également gaucher. Il n'aime pas cela. Mais il a plus de jus qu'au Luxembourg. Il est plus détaché, plus relâché. Il semble en ce début de second round de trouver un petit peu mieux sa distance. Attention à ses remises du point droit d'Elamé qui bloque bien les attaques avec son coude gauche. Stop! On ne passe pas le bras et on ne tient pas. Box! Dixit, monsieur Louis Michel. Attention, il la met un petit peu coincé dans cette partie du ring. Il faut qu'il utilise ses jambes. Il ne faut pas laisser s'organiser Mona. Mona n'aime pas être perturbée, n'aime pas subir le match. Il aime bien mener. C'est un boxeur de tempérament, c'est un gagneur, c'est Angel Mona. Qui a commencé la boxe tard, à 18 ans, lui qui avait surtout pratiqué la savate, la boxe française auparavant. Boxeur et à la personnalité pondérée, calme. Et qui a été attristé. Presque humilié, me disait-il, lorsqu'il a été battu par Mendy dans cette finale du championnat de France devant son public. Il a mis 4 mois avant de remonter sur un ring et puis progressivement l'envie est remontée. Il est jeune. Il a encore une marge de progression. Il espère un jour retrouver Mendy. Mais avant, il y a Elamé en face de lui qui lui pose certains problèmes, même si Mona a été plus actif et gagne ce deuxième round. Frédéric du gauche, du calcul au droit. Souffle bien. Pour l'instant, pense qu'à souffler. Respire bien, c'est très bien. Tu fais reculer, mais pas en force, en finesse. Hein? T'as compris? Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est à choper derrière tes serrures. Alors tout de suite, un petit pas de côté, de ton côté gauche, de préférence. Calme. Tu vois qu'il est dans ses coups, ton remise un coup de gauche et tu t'en fais. Ne reste pas là. Il revient avec lui, là, c'est pas vrai. C'est bon, jouer avec un monsieur. Tu ne peux pas reculer, jouer. Tu ne peux pas assez reculer, jouer. Oui. Ouais. S'il vous plaît. Troisième reprise, match prévu en 8 rounds. Catégorie poids léger. Et vous le savez, le titre européen est détenu par un Français, par un formidable boxeur qui a réussi un grand match le 27 mars à Creil sur TF1.
vous l'avez tous vu, son championnat d'Europe face à Antonio Renzo, c'est Jean-Baptiste Mendy, qui défendra son titre européen le 29 mai. Et ce sera sur TF1. Peut-être pourrait-on, d'ici quelques mois, voir sur le ring un championnat d'Europe 100% français, Mona face à Mendy, mais Mona doit gagner ce soir et doit encore prouver qu'il est du niveau international pour mériter sa chance pour un titre européen. Et la main me semble manquer un petit peu de jus ce soir, un petit peu de fraîcheur. Est-ce passager ? Nous le saurons d'ici quelques minutes. Il a besoin de tous ses moyens pour boxer face à un battant de la valeur de Mona. Oh, c'est un petit peu involontaire. C'est bien fait cette esquive. Il tourne du bon côté. Il tourne sur la gauche de Mona. Et s'il reste dans une partie du ring ou s'il tourne sur sa droite, il s'expose justement à la droite de Mona, l'arme maîtresse du boxeur d'Échirolles. Lui qui est né à Jeuf, de parents italiens, mais qui est arrivé il y a maintenant 4 ans à Échirolles, vous savez, dans la banlieue de Grenoble. Et à Échirolles, il y a de très bons boxeurs. On pense à Jean-Pierre Sigliano et également et surtout à Hakim Taffer, le champion d'Europe des lourds légers. On entendit un petit signe d'énervement de Mona. Une esquive un petit peu basse, ça l'énerve, mais ça fait partie du métier. Il faut s'adapter. Car honnêtement, la boxe de la main ne me semble pas irrégulière. Il truc un petit peu, mais cela fait partie du métier. Stop ! Ça va, hein ? C'est moi qui boxe ! Ah, ces micros nous permettent de ne rien manquer. Calme, n'en mets pas, souffle. Vite, 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 n'en mets pas. Ne t'énerve pas, l'arbitre est loin. Hein? Ne t'énerve pas, c'est pas peine de s'énerver. Continue à le faire frapper dans le vide et tu remets derrière. Crochet gauche, il passe. Essaye de revenir en uppercut et encore crochet gauche. Uppercut droit, crochet gauche. Tu vois qu'est-ce que je veux ? T'as vu qu'est-ce que je veux ? Quoi ? Crochet, uppercut, crochet. Ça va passer, hein ? Sans prendre de risque. Ne prends pas de risque devant ce mec. Parce qu'il reste dangereux, tu prends pas de risque. Tu fais, ou touche, ou touche. Moi, et quand ça se présente, boxe tranquille. Voilà. Faut me gagner tous les rounds comme ça, c'est bien. D'accord ? Là, t'es bon, hein ? C'est tout prêt. Alors ? Allez, s'il vous plaît, là. On le voit sur ces images de Christian Domila. Un Mona plus frais, plus serein, un Elamé un petit peu plus marqué. Et pourtant, ce n'est que le début du quatrième round. Ce n'est pas encore la mi-combat. Attention, bon début de match, bon début de round d'Elamé. Au milieu derrière lui.
La garde assez haute et assez hermétique et la solution viendrait peut-être justement d'en bas, comme l'a essayé de le faire Mola, travailler en crochet au foie. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Fait un bon match Angèle Mola. Il avait été moyen face à Foster. Il avait dit j'ai un petit peu trop boxé durant ces 4 derniers mois. Il avait boxé 4 fois en 4 mois. Il n'était pas habitué, il a dit j'ai besoin de souffler. D'où cette interruption depuis le 31 janvier, soit plus de 3 mois, et cela lui a fait du bien. On le voit. Il a du jus. Voilà. Attention, des petits uppercuts d'Elamé qui réagit bien. Un changement un peu de physionomie dans ce quatrième round, des superbes contre du droit. Elamé s'est découvert, il a pris des risques et Mona l'a parfaitement exploité. 3 médailles d'or dans ce quatrième round. Sur une accélération d'Elamé, c'est Mona qui a trouvé l'ouverture, mais Elamé est lucide. Il n'est pas marqué par ce knockdown, du moins semble-t-il, mais attention. Elamé n'est pas un frappeur, ce n'est pas un guerrier. Il est habile lorsqu'il est à distance, lorsqu'il fonctionne par petites touches et qu'il utilise ses jambes et son coup d'œil, mais lorsqu'il doit se battre, il n'est pas forcément à l'aise et il boxe un petit peu à contre-cœur de cette manière. S'il vous plaît, en boxe. Oh, le crochet au plexus, il aurait pu faire très très mal. Bon round de Mola qui domine maintenant le boxeur d'Avignon. Souffle, pas ce qu'il y a mis derrière. Tu vois ce gars-là, c'est très bien ça que t'as fait. Tu l'as piqué en boxant. Continue à boxer, il ne va pas te battre avec. Parce que dans cette bataille, il est quand même dangereux. T'as vu, tu as touché, il revient quand même. Boxe-le, boxe-le. T'as vu, c'est venu tout seul. Ne va pas le chercher. D'accord ? Hein ? Hein ? Ne cherche pas le chaos. Pam pam. Et t'as vu, là, ça s'est passé. Tu retouches comme ça, il y va, mais sans te battre. 15 donne son bras avant, il tombe. Essaye de lui percuter, sans prendre les feuilles. Boum ! Gauche et gauche. Hein ? Ça va ? Le souffle est bon, hein ? Allez, mon petit, on attaque la 5e. S'il vous plaît. Il avait les jambes au même niveau, Elamé, sur un même plan, d'où déséquilibre. Il s'est vite relevé. Mais il y a eu un knockdown et une belle droite de Mona. 5e round. Comment va se conduire Elamé? Va-t-il faire preuve de prudence? Ce n'est pas impossible. Mais il est maintenant mené. Il est gêné, voilà, lorsque il doit subir les attaques. Il ne s'est pas esquivé, il ne s'est pas bloqué, Mona, dans le domaine défensif, il est très très perfectible. Mais heureusement, il se rattrape bien lorsqu'il attaque. Là, il est en position de force, il est beaucoup plus habile. Un petit peu en dessous, Elamé a besoin de souffler. Étonnante son attitude, de temps en temps il paraît un petit peu passif, il accepte la bagarre, il se met dans un coin, il attend que l'orage passe. Et là il réagit, attention, Mola vient d'être touché par une droite à la tempe. Elamé a de belles réactions, il est dangereux, il est imprévisible et il surprend. Remballe-le, remballe-le, remballe-le de suite.
2, 3, 4, 5, 6 coups. Delamé, moment un petit peu difficile pour Angel Mola qui se découvre à tour de rôle. Santenay, alors. Alors, quand je dis break, c'est un pas en arrière. On repart, Joe. Il y a du suspense dans ce match de poids léger. Mona n'est pas à l'abri. Allez, pars avant lui. Premier jour. Ça, ça peut gagner. On attend les deux boxeurs qui ont besoin de souffler. Car on a donné beaucoup de coups et on a fourni de gros efforts dans ce cinquième round. C'est une belle reprise de Georges Elamé. Super impeccable. Tu as mis les coups, c'est bien. Ça va, c'est rien. Il faut que tu le fasses monter parce que là, il ne sait pas où il est. Je prends des coups de tête. Ben oui, ben va te battre avec. Les hommes plus. Si tu prends des coups de tête, fais-le frapper dans le vide. Frappe-le avec ta pied, ne va pas te battre avec. Faut pas te battre, faut boxer ce gars. Faut boxer. Si tu te bats, c'est pas bon. On est d'accord. Tu lèves le maison un petit peu sur côté de l'eau. Écoute-moi bien. Je veux plus te voir te battre. Je veux que tu le touches. Tu le touches et tu, lui, tu le ferais frapper dans le vide. Je suis d'accord. Je compte sur toi. Hein. Allez. Ne te bats pas avec ce mec. Ça sert à rien. Allez, Georges, le champion. Sixième reprise. Et début de la sixième reprise. Elamé a superbement réagi. On se posait la question de savoir justement comment il allait faire après le knockdown et il a fait une belle cinquième reprise. Il démarre très vite ce round. Bien détaché. Il est très délié. Il a de belles attitudes. On aurait pu penser que Mola aurait vite trouvé des solutions, et ce n'est pas le cas. Allez, je vous laisse plusieurs, allez. Attention à ce coup de tête. Et précisons-le, l'un est gauche et l'autre droitier. Et malheureusement, il y a souvent des coups de tête lorsque ces deux types de boxeurs s'affrontent. Trop passif dans ce round, Delamé. Mona mène au point dans ce match et il va accentuer son avance. Attention à sa droite, il travaille juste en petite touche du gauche. Et Elamé a peut-être besoin de souffler pour mieux repartir, mieux rejaillir. Voilà, il vient d'écarter un peu plus les jambes. Il va maintenant jeter sur son adversaire. On le sent venir lorsqu'il tente d'accélérer. Lâche pas 15 secondes. Allez, il ne faut pas lâcher. 10
Hein ? Un pas en arrière. On voit des petits coups de tête, round à l'avantage de Mona. Et ce match se terminerait-il au point? Qui sait? Plus que de rouler, bon, et je joue. La tête, et Jo, plus que de rouler. Un peu de rouler. Là, là. Jo, bois un peu. Ne laisse pas peu, travailler ce mec. Et oui, lui parle dessus, toi, quand... une minute, tu lui parles dessus quand tu travailles en attaque. Et tu recules trop haut. Et puis il y a les temps morts qu'il y a. Ne les fais plus, ces temps morts. Accélère, fais des accélérations sur plusieurs coups. Et mais n'oublie pas de mettre tes uppercuts. Il rentre tous les uppercuts, il n'y en a pas un qui se perd. Que ce soit à la droite ou à la gauche, il rentre tous. Hein. Un jour, allez, plus que de rouler. S'il vous plaît. Allez. Pardon. Là, on sent vraiment que Roger Vivancos voudrait aider son boxeur. Allez, s'il te plaît, vas-y, donne-moi plus de coups, t'en es capable. Et la mec qui l'écoute attentivement et qui est peut-être impuissant parce que peut-être qu'il est fatigué. Mais attention. Attention à l'orgueil des boxeurs. Et à leur fierté. Voilà, et on entend Vivancos lui dire voilà, c'est exactement ce que je t'ai demandé de faire. Ah, c'est sûr que si Mona tente de s'organiser, il domine. Si c'est pas le cas, il est dominé. Et bonne gauche en bout de course qui a surpris Mona. Il a fait des efforts et la met dans cet avant-dernier round et il les paye un petit peu maintenant dans les dernières secondes de cette 7e reprise. Pardonnez-moi. Un pas derrière. Cherche à prendre sa distance, il s'est mis en gaucher, en droitier plutôt Elamé. Mona vient de tituber un petit peu sur les talons. Il a pris un uppercut du droit. Mona un petit peu sonné. Il y a des occasions, Georges Elamé, dans cette reprise. Et d'ailleurs, Angèle Mona saigne au niveau de l'arcade gauche. À tout reste possible dans ce combat. Il a du cœur, Mona, il a pourtant été touché, mais c'est lui qui finit le plus fort. Ça saigne de plus en plus, il est coupé. Un round où on s'est donné à fond. L'arcade, tiens, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que c'est un tout petit peu plus ouvert. Par contre, tire. Tu as rattrapé le retard, là. Tu es à égalité, là. Faut pas que tu te battes avec un mec. Qui veut la gagner, ne te bats plus avec ce mec. Hein, tu gagnes le combat. Ne prends pas de risque. Viens, tu touches, tu touches, tu touches, tu touches. Qu'à la touche, qu'avec ton bras avant. Je compte sur toi. Ouais. Qu'avec le bras avant, un peu là en dessous, oui. Qu'avec le bras avant.
crash là. Je compte sur toi, hein. Ne te bats plus. S'il vous plaît. Ne te bats plus. Tu touches. Serrez-vous les gants. Un pas en arrière. Coq. Serrez-vous les gants. Un pas en arrière. On ne rigole pas avec M. Louis Michel. Huitième et dernier round. Tout peut se jouer dans ces trois dernières minutes. Même si Angèle Mollard réussit son knockdown et même s'il me semble avoir une avance suffisante, la victoire n'est pas certaine. Angèle Mollard qui a des supporters et Gap n'est pas très très éloigné d'Avignon, comme d'ailleurs Échirolles n'est pas non plus très éloigné de Gap. Bref, les deux boxeurs ont tous les deux des partisans et des supporters. Les deux côtés, on encourage les boxeurs. Ça va tenir. On sépare, allons. Une accélération, s'il vous plaît. Une accélération. On demande juste une accélération. On entend Roger Ivankos demander à Elamé, accélère-moi une fois, une seule fois. Sans pousser. Et cela pourrait être décisif. Un pas en arrière, allons. Elamé n'a plus les forces dans ce huitième round. Ce match qui s'est déroulé sur un bon rythme. Voilà, Mollard qui danse un petit peu, qui bouge, à ne pas prendre trop de risques. Tu vas travailler avec ses directs. Un pas en arrière, on recule. On y retourne, on y retourne. Coupure n'handicape pas trop Angèle Mollard. Heureusement qu'elle est intervenue en fin de match. Allez, go, c'est fini. Allez, on y va, on y va, on y va. Les 15 dernières secondes. Mollard est en train de gagner cette reprise comme il en a gagné d'autres. Fin de ce match de poids léger qui est allé à son terme. Il y a eu un bon knockdown d'Angèle Mollard. Un Georges Elamé qui a, me semble-t-il, malheureusement pour lui, boxé un round sur deux. Ce qui ne sera peut-être pas suffisant pour battre ce Mollard bien coupé. Comme on le voit, et bien soigné aussi par les hommes de poing. Jean-Paul Duret, Franck Lucie, tout le team RMO, tout le team MBO, sa nouvelle organisation. De Robert Picaretta, de Gérard Tesseron. Avec comme grand maître, entre guillemets bien entendu, Monsieur Marc Braillon. Voir les réunions de manière à ce que ce soit à Gap, ça soit formidable. Merci Monsieur Parent. Non, s'il vous plaît. T'as tout pris. Allons tester. C'est bon, j'ai gagné. Le verdict de ce combat, vainqueur au point, Angèle Mollard. Vainqueur au point, Angèle Mollard. Georges Elamé est battu et Mollard remporte son 23e combat. Et continue par conséquent son apprentissage malgré quelques sifflets.